Yo tout le monde, c'est ça, comment allez-vous? Moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto spécial. Pour un logiciel qui s'appelle Nox, je vous mets le lien dans la description pour aller le télécharger. J'imagine que vous avez vu le titre de la description, c'est tout simplement pour pouvoir jouer à Pokémon Go ou bien d'autres jeux sur votre PC. Ça permet pour les personnes qui habitent à la campagne par exemple ou des endroits totalement paumés et qui peuvent pas forcément bouger de chez eux, de choper un peu plus de Pokémon, quelque chose de plus intéressant. Pas mal de gens m'ont demandé des petites astuces, tout ça. Donc évidemment, vous pouvez aller dans des parcs pour choper un max de Pokémon. C'est ce que j'ai fait avec des potes. Je suis allé au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et franchement, c'est terrible. C'est un truc de fou. Dans les grandes villes et en plus dans les parcs, on chope vraiment un max de Pokémon. Il suffit qu'il y ait des leurres, des Pokéstop et tout ça. Et en avant, c'est parti. Donc, ce qui est dommage sur ce jeu, c'est un petit peu cette disparité entre la campagne et la ville. On va pas se mentir, dans certaines villes de campagne, certaines personnes, à part des Roucoules et des Ratata, ils vont pas aller loin. Donc voilà, je vous propose ce petit tuto pour les personnes que ça intéresse. Les personnes qui trouvent que tricher sur Pokémon Go, ce qui peut être considéré comme la triche, je vous invite à quitter la vidéo tout simplement parce qu'elle ne vous concerne pas. Je fais cette vidéo tout simplement pour vous donner une astuce. Personnellement, je l'utilise sur un deuxième compte. Je vous expliquerai un petit peu comment je considère cette application, si pour moi c'est de la triche ou si c'est tout simplement une aide. En tout cas, pour l'instant, on va le télécharger. Je vous mets le lien dans la description, comme je vous disais. Vous avez tout simplement download, rien de compliqué jusque-là. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez Nox et Multidrive. Vous lancez tout simplement Nox, exécutez en tant qu'administrateur si vous voulez. La petite page de chargement, comme vous le voyez. Alors, pendant que ça charge, je vais vous expliquer. En gros, Nox, c'est un émulateur. C'est tout simplement sur votre PC, vous allez avoir comme une tablette. Ça va simuler une tablette ou un téléphone. Et le but, ce sera donc de pouvoir jouer à nos jeux, mais même s'en servir comme tablette. Alors, évidemment, avec la folie Pokémon Go, vous voyez que sur l'écran d'accueil, c'est Pokémon Go, parce que tout simplement, ce logiciel va nous permettre d'avoir une localisation virtuelle, comme vous pouvez le voir sur l'écran d'accueil, Virtual Location, avec mon accent de fou. Voilà, donc ça va nous permettre de nous déplacer partout dans le monde. Alors attention, je vous mets en garde, vous risquez de vous faire ban, tout simplement, si vous jouez un peu trop avec la localisation. Essayez de vous caler à un endroit et ne bougez plus. Si vous allez par exemple à New York, vous restez sur New York et vous bougez pas, vous n'allez pas au Japon, après à New York, après à Sydney, après... Il faut vraiment éviter ça, parce que sinon évidemment les développeurs du jeu vont vous remarquer et vont vous ban. Donc faites attention avec ça. Personnellement, quand je joue sur le PC, je me mets sur New York, Central Park, je reste dessus et avant de me connecter sur mon téléphone, j'attends un petit moment pour pas au bout de 5 minutes j'étais à New York et 5 minutes plus tard je me retrouve à Bourg-en-Bresse en France. Sinon c'est un peu rodé, c'est dommage de se faire ban pour ça et de risquer en plus de se faire ban complètement. Voilà, une fois l'application lancée, c'est tout simple, vous attendez, vous allez avoir Pokémon Go qui va apparaître. Comme vous voyez, c'est un émulateur, comme je disais, donc une simulation de tablette, rien de plus simple. Hop, vous vous servez de votre souris comme si vous vous serviez d'une tablette. Vous avez donc le Play Store, pas besoin d'aller sur le Play Store, vous allez tout simplement sur Pokémon Go. Alors, pour relancer Pokémon Go, il y a plusieurs réglages à faire. Tout d'abord, vous voyez donc ici les paramètres généraux de l'application. On va regarder tout ça ensemble. Personnellement, moi j'avais un compte Club Pokémon auquel je n'arrivais plus à me connecter. Ça fait une bonne semaine que je peux plus me connecter à mon compte Pokémon alors que j'avais jamais triché, j'avais jamais rien fait. Ça me disait que mon mot de passe n'était pas le bon. J'imagine que je suis loin d'être le seul à avoir eu ce problème. Ma soeur par exemple a eu ce problème, elle a dû se recréer deux comptes même. Donc voilà, ça m'a bien foutu les boules. J'étais niveau 14, quasiment 15, avec des Pokémon plutôt sympas. J'étais assez fier de moi. Et voilà, donc j'ai dû tout recommencer, ça m'a foutu pas mal les boules, et plutôt que de redémarrer avec des Roucoules et des Ratata à gogo là, vers chez moi, je me suis dit que j'allais essayer cet émulateur, et donc j'ai pu monter jusqu'au niveau 10 avec l'émulateur en 2 heures et quelques dans Central Park, donc c'est assez impressionnant comme il y a plus de Pokémon que dans d'autres villes. Ayant été niveau 10 ensuite, j'ai recontinué le jeu sans tricher entre guillemets, je suis allé au parc de la Tête d'Or, je suis monté 3 niveaux en même pas une après-midi, donc ne substituez pas le jeu en réalité tout de suite par l'émulateur. Essayez de augmenter, si vous avez eu un souci par rapport à votre compte comme moi, essayez d'augmenter votre compte, votre nouveau compte que vous allez créer jusqu'au niveau auquel vous étiez sur votre ancien compte, et ensuite redémarrer le jeu correctement. Après c'est votre choix, vous faites comme vous voulez, moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Je vais bientôt atteindre mon niveau 14, donc je vais arrêter l'émulateur et je vais pouvoir recommencer le jeu correctement. Certes, je viens de choper un Dracolos, on va pas se mentir, je suis plutôt content. On va pouvoir poker un petit peu sur les arènes, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour les paramètres généraux ici,
Configuration générale, pour l'instant, vous, le jeu sera sûrement, le Nox sera sûrement en anglais, donc vous allez tout simplement dans langue, vous mettez français, rien de plus simple. Laissez comme c'est ici, il n'y a pas de souci. Pour mettre à jour, vous verrez plus tard, normalement, vous venez de le télécharger, donc vous avez la dernière version. Configuration avancée, donc là, vous verrez en fonction de votre config, parce que cet émulateur est quand même assez gourmand, même très gourmand, surtout pour le processeur. J'ai mis en élevé, mais en élevé, c'est pas fou, j'ai vu pour personnaliser et le mettre, mettre plus de CPU et plus de mémoire interne, mais à chaque fois ça me remet ces configurations-là. Donc mettez en élevé si vous pouvez, moyen pour pas trop que ça lag. Autant vous dire que moi, même avec ma config en élevé, j'arrive pas à faire tourner la Pokéball, ça lag un peu. J'ai vu des vidéos où certaines personnes ont personnalisé leur configuration de performance et ont réussi à mettre 4 de mémoire interne et 4 CPU. Donc essayez, moi personnellement quand je l'ai mis, ça me remettait tout le temps à la configuration élevée, donc peut-être que mon PC n'est pas assez puissant, mais bon, je fais tourner quasiment tous les jeux en ultra, donc je vois pas pourquoi Nox ne pourrait pas tourner tout simplement plus que élevé. Donc bon, ma foi, mettez en élevé si vous pouvez, mettez faible si vous avez un ordinateur portable pas très puissant ou quoi. Voyez en fonction de votre config. Ensuite, pour démarrer la configuration, vous laissez tablette en 720p, ça va très bien. 1080p, ça va prendre trop de ressources pour pas grand-chose. Ensuite, pour le mode, le graphique mode, donc au début c'est OpenGL. Essayez les deux. Celui qui marche le mieux, vous le laissez. Vous essayez les deux. Vous verrez lequel est le plus fluide des deux. Je vais y arriver. Et une fois que vous avez trouvé, vous le choisissez. Vous sauvegardez votre configuration et tout va bien. Ensuite, pour la configuration propriété, donc là c'est pour que ce soit plus cohérent aux yeux des développeurs. Donc vous pouvez mettre une marque de portable, par exemple on va mettre Apple, un modèle, on va mettre un iPhone 6, chose que j'ai, voilà, hop, avec un IMEI pour faire croire que c'est vraiment un téléphone sur le marché au lieu d'être un émulateur sur un ordinateur. Touchez rien au raccourci clavier, sauf si vous envoyez l'utilité, c'est à vous de voir. Et pour ce qui est de l'interface, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis les touches virtuelles en dessous comme si c'était une vraie tablette. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Hop, on va sauvegarder la configuration. Voilà. Une fois que les paramètres généraux sont effectués, vous voyez que sur la barre à droite, il y a plusieurs trucs. Donc, tout d'abord, ça, c'est pour secouer, donc c'est pour gerter si vous avez des trucs qui vous gênent sur votre écran. Ici on va s'en servir plus tard parce que évidemment pour vous déplacer dans Pokémon sur l'émulateur vous pouvez vous déplacer avec les touches de clavier, c'est là que ça devient très intéressant. Effectuer une capture d'écran et le plus important aussi c'est la localisation virtuelle. Donc vous avez cliqué là-dessus, on est d'office par défaut à Sydney. Tout à l'heure j'ai oublié de me connecter sur New York, j'étais à Sydney et j'ai chopé un Dracolos. Voilà, donc dans ce parc j'ai chopé un Dracolos, il était ici. Donc j'étais vraiment content, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Moi je vais me remettre quand même à New York parce que je kiffe bien Central Park. Hop, New York c'est assez pété quand même. Hop, et puis vous allez choisir votre localisation. Central Park c'est ici. Moi je me mets là, puis après je me promène. Vous faites, une fois que vous avez choisi votre localisation, vous voyez ici la latitude et la longitude, vous faites OK, et voilà. Vous apparaîtrez ici une fois que le jeu sera lancé. Vous quittez. On verra tout le reste de la barre à droite plus tard. Vous lancez Pokémon Go. Tac. Comme si c'était sur votre téléphone portable, vous allez avoir le Niantic. Voilà, nickel. Ça, c'est pour les touches clavier pour vous déplacer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va secouer pour l'enlever. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Il faut tout simplement vous connecter à votre compte. Une fois que vous avez lancé Pokémon Go sur l'émulateur, vous connectez soit votre compte Google, soit votre compte Club Pokémon, comme sur un téléphone classique. Voilà, le jeu se lance. Bizarrement, il est en anglais. Tout à l'heure, il était en français, vu que Nox est en français. De toute façon, si je le redémarre, il sera sûrement en français. De toute façon, pas super important, je m'en fiche un petit peu. Ceux qui le veulent en français, redémarrez Nox. Si vous avez mis la langue en français, normalement, il n'y a pas de souci. Il sera en français. Alors, vu que c'est sur PC, attendez un petit moment que ça charge. Hein. Hop, on va laisser charger tout ça. Voilà. À peine vous spawnez dans Central Park, un carapuce, un Nidoran femelle, un Oseraptie. On va aller choper le petit carapuce. Donc tout se fait avec la souris. Hein. Là, je suis avec ma souris, comme vous le voyez. Au début, c'est un petit peu long à se lancer, il faut que ça se mette en route. Hop, un petit carapuce 303, on va pas se faire chier, on va lui mettre une baie, on va prendre une super ball pour être sûr de l'attraper. Hop, vous voyez, ça lag un petit peu au début. Et après, normalement, il n'y a aucun souci, hein, personnellement. Le Dracolo, j'ai pu le choper, même sans faire tourner ma Pokéball. J'ai mis des super balls, j'en ai mis... Ah, l'enfoiré, très bien, pas de problème, super cool. Carapuce nous a trollé. Normalement, il n'y a pas de souci. Le Dracolos, il m'a coûté quand même
3 bonbons. Merde. C'est assez spécial au début, hein, je vous dis, de lancer des Pokéballs avec une souris. Vous verrez que ce sera un petit peu chelou. Ok, donc je pense... Voilà. J'ai un très bon exemple. J'étais sur... J'étais à Sydney tout à l'heure. J'étais à Sydney il y a, allez, 10 minutes. Et donc là, les Pokémon ne se barrent dès ma première Pokéball. Donc c'est très bien. Moi, j'ai un exemple de ban. Là, je me suis fait ban pour, à mon avis, entre 2 à 6 heures. Hop, on va rester sur Nosferapti. Si je le chope pas, qu'il se barre dès la première Pokéball, c'est que je me suis fait ban. Comme ça, vous avez un exemple de ban. Voilà, et là, il se barre. Ok, donc voilà. j'aurais dû rester sur Sydney, mais je voulais vous montrer la localisation. Donc en fait, j'étais à Sydney il y a 10 minutes, un quart d'heure avant de lancer la vidéo. J'ai chopé mon Dracolos, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'étais plutôt content, on va pas se mentir. Et puis du coup, pour faire la vidéo, je voulais me mettre sur Central Park, hein, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que c'est quand même pété Central Park, il y a des Pokéstops partout avec des leurres partout, c'est monstrueux. Donc voilà, là les trois sont barrés directement dès ma première Pokéball, ça veut dire que je me suis fait ban. Donc je sais pas pour combien de temps, ça prévient pas, hein, normalement c'est entre 2 et 6 heures. Comme ça vous voyez ce qu'il faut pas faire. Ce que je viens de faire, c'est j'étais sur Sydney, hop, je me suis TP à New York en un quart d'heure, c'est complètement pété, donc je me suis fait ban. Donc faites attention à ça, c'est très important. Je vais vous montrer les touches clavier. Donc cliquez tout simplement sur ce petit icône. Et vous pouvez mettre le GPS. Vous configurez vos touches. Moi je mets Z, Q, SD pour me déplacer. Et A et E pour changer le mode de déplacement. Hop, vous quittez ça. Et vous voyez que quand j'appuie sur les touches, il n'y a pas de souci, ça se déplace. Z c'est en direction du nord, D de l'est et tout ça. Hop, donc vous adaptez en fonction de là où vous dirigez. A et E, ça sert à, tout simplement à changer de mode de déplacement. Par exemple, là, je suis à pied, donc à 2 mètres par seconde. Là, en vélo, 6 mètres par seconde. Donc, on se déplace plus vite, logiquement. Voilà. C'est très pratique pour les œufs, on va pas se mentir. Hop, ensuite, 10 mètres par seconde en moto, en voiture, en train, en avion. Et voilà. Donc, c'est super sympa, ça. C'est plutôt pratique, ce mode de déplacement. Donc, je suis un peu déçu. Je peux pas vous montrer comment choper des Pokémon, mais c'est tout simple. Hein. Vous faites comme sur portable habituellement. Vous déplacez, hop, avec votre clavier. Vous voyez un Pokémon. Vous cliquez avec votre souris. Et une fois qu'il est là, vous chopez votre Pokéball, vous la lancez, puis terminé, on n'en parle plus. Je trouve une petite astuce pour sortir d'un soft ban rapidement. Si vous vous rendez compte que vous êtes banni par toutes les techniques que je vous ai montrées, tout simplement vous dirigez vers un Pokéstop, vous cliquez dessus. Logiquement, vous, quand vous allez le faire tourner, il ne vous donnera pas d'objet. Il faudra tout simplement aller sur le Pokéstop, le faire tourner, attendre, quitter, recliquer sur le Pokéstop, le refaire tourner, attendre, quitter. Il faudra faire cette manipulation pendant une trentaine de fois, généralement autour de 30 et 40 fois. Dès que le Pokéstop vous donnera des objets, c'est que votre ban est terminé. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Profitez pas trop de l'émulateur, c'est surtout pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas accès au jeu, qui sont sur Windows Phone, qui peuvent pas jouer sur leur téléphone, du coup ils jouent sur un émulateur. Ou les personnes comme moi qui se sont fait niquer par rapport à leur compte. Évitez de trop jouer là-dessus, ce serait un peu dommage, ça gâcherait un petit peu la beauté du jeu. Après, là, ce qui est intéressant sur cet émulateur, c'est que c'est vous qui jouez, c'est vous qui chopez vos Pokémon, c'est vous qui vous baladez, entre guillemets, vu que c'est avec le clavier, mais c'est vous qui vous baladez, c'est à vous de voir. Pas comme certains programmes où vous le laissez toute la nuit et terminé, il fait tout à votre place. Là, c'est un minimum vous qui jouez, c'est quand même vous qui gérez vos Pokémon, vos œufs et tout ça. Évidemment, les œufs marchent, hein, y a pas de souci à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, ça comptabilise très bien. Et puis voilà. Là, je l'ai chopé à Lyon, c'était vachement sympa. Pour ceux qui m'ont su sur Snap, vous avez pu voir le mouvement full qu'il y a eu pour Herbizarre, c'était vachement cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et bye tout le monde, tchou.